C'est une longue histoire et qui commence en fait avec le tramway. Donc le projet de réalisation de cette première ligne du tramway a amené la découverte de vestiges archéologiques. Dans le cas de la construction de cette ligne de tramway, il a fallu du coup tenir compte de l'archéologie, conduire une fouille archéologique qui s'est révélée évidemment passionnante avec la découverte de vestiges de la fortification très bien conservée. Et il a été prévu au moment même de la réalisation de cette fouille de construire une partie en béton, des parois de béton, des dalles en béton qui supportent la plateforme du tramway, qui permettent du coup de fouiller sous la plateforme du tramway et de fait de préserver les vestiges dans le sous-sol de la place Garibaldi. Ces vestiges, à la fin de la fouille, en 2007, il était évidemment question de savoir qu'est-ce qu'on allait en faire. Et il a fallu l'arrivée de la nouvelle municipalité avec Christian Estrosi pour prendre la décision d'aménager cette crypte et de la rendre visitable au public. Et c'est donc ce que l'on va pouvoir visiter donc sous le boulevard Jean Jaurès et la place Garibaldi. Voilà, donc on est là dans la crypte archéologique. On voit ce travail de génie civil absolument remarquable, hein, des parois de béton qui font tout le tour de la fouille, les poutres qui soutiennent la plateforme sur laquelle circule le tramway et donc les vestiges qui sont comme ça préservés dans ce cadre architectural assez magique. Donc nous avons ici un certain nombre de vestiges qui témoignent en fait de l'évolution de la ville de Nice et en particulier de sa fortification. On est là au contact avec le paillon d'un côté, avec la limite de la ville de l'autre dans ce qui sera plus tard la place Garibaldi et qui s'est créée évidemment assez tardivement par rapport à l'histoire de la fortification. Et on va pouvoir observer l'évolution de cette ville fortifiée depuis le Moyen-Âge, depuis le XIVe siècle, jusqu'au dernier moment, dernier siège devant Louis XIV et le moment où la fortification va être détruite en 1706. Donc on est là sur la tour Pérolière. Donc c'est un des premiers éléments qu'on a retrouvé. Quand on a commencé l'opération de fouille, en fait au départ on a une phase de diagnostic et on a retrouvé les vestiges de cette tour qui affleurait pratiquement sous le bitume du boulevard Jean Jaurès. Donc premier élément découvert et c'est aussi l'élément le plus important parce que c'est celui qui est à l'angle de la fortification. On a d'une part une fortification qui longe le paillon et de l'autre côté de la tour, la fortification englobe la colline du château et remonte vers la colline du château. Cette tour a été construite probablement dans les années 1380. On est dans les derniers temps de la Provence et de Nice rattachés à la Provence, avant que le comte de Savoie ne récupère cette Provence orientale. Et donc on a des constructions, c'est une période troublée, on est les suites de la guerre de Cent Ans également. Et donc on fait ces types de tours assez massives, tours circulaires qui faisaient pratiquement 8 mètres de diamètre en partie haute. On est aussi à l'extérieur de la tour, dans un espace qu'on a pu fouiller, qui est assez intéressant. On est en contrebas de la fortification et donc de la ville elle-même, et on est à proximité immédiate du fleuve, et on a un mur de digue sur le paillon, qui a été construit assez tardivement, peut-être à partir du XVIe siècle. Il délimite un grand espace ici qui servait en fait à des jardins. On a des représentations, on a des textes qui mentionnent des orangers, des citronniers, etc. qui étaient dans cette zone. Donc c'est une zone dans laquelle le fleuve, lorsqu'il était en crue, pouvait aller, donc pouvait s'étendre. Du coup, ça permettait d'avoir un lit plus large. Et autrement, bah, le résultat, on avait donc cet usage de type un petit peu agricole, en tout cas d'agrément qui pouvait se trouver au pied de la ville. On a également d'autres vestiges de murs plus anciens qui sont du Moyen-Âge. Parce qu'il faut savoir que ce fleuve, ce paillon, en fait connaît des périodes de crue plus importantes à partir du XVe siècle. On rentre dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui est un moment où avec les températures plus froides, on a des chutes de neige plus importantes, et du coup au printemps, des fontes des neiges plus importantes et des périodes de crue aussi qui le sont beaucoup plus. On sait par exemple qu'au XVIe siècle, le pont qui franchissait le paillon a été emporté deux fois par des crues du paillon, et donc c'est une période jusqu'au XVIIIe siècle où le paillon va être extrêmement violent. Il faut s'en protéger. C'est moins le cas au Moyen-Âge, au XIIIe, au XIVe siècle. Et donc on avait ici à l'extérieur de la ville des habitats, des bâtiments en tout cas, qui étaient en bordure du fleuve. Et ce sont les petits murs donc, qu'on a retrouvés en fouille. Donc on est là de l'autre côté de la tour Pérolière et on est au niveau de la porte, qui est cette porte Pérolière qui permettait d'entrer et de sortir de Nice. Alors il manque la partie supérieure bien évidemment, mais il faut imaginer évidemment un niveau de sol relativement haut par rapport à ce qu'on observe, parce qu'ici on est dans un fossé, donc ce qui explique la profondeur et puis une visibilité aussi des maçonneries donc, qui descendaient profondément à l'intérieur du fossé. Le trou que l'on observe de couleur bleue, qui est là-bas, correspond en fait au passage d'un aqueduc. C'est quelque chose de postérieur, ce n'est pas la porte elle-même. Mais la porte donc se trouvait en partie haute, correspondant à un niveau que l'on a sur la tour, qui est un cordon de pierre qui matérialise en fait le niveau de sol à l'intérieur de la ville. Dans cet emplacement-là, donc, nous avons un fossé. Et pour pouvoir franchir ce fossé, on avait un système de pont-levis donc, qui s'abaissait depuis la porte
et qui venait reposer sur cet élément ici, donc très bien conservé, qui est la partie fixe finalement du pont, par laquelle ensuite on sortait de la ville. La porte Pérolière, comme les autres portes, donc est une des portes principales de la ville de Nice, était constituée en fait d'un bâtiment rectangulaire qui avait une porte extérieure et une porte intérieure. On est là face à la partie extérieure de la porte Pérolière. Au début du XVe siècle, l'évolution de l'artillerie et donc le fait qu'on ait besoin de renforcer les défenses vont amener la construction d'un très grand mur que l'on a ici, qui est ce qu'on appelle un ravelin. Donc, ce sont les textes de l'époque qui utilisent ce terme-là, qui est un terme militaire, en fait, qui est un renforcement lié à la porte. Donc on va construire un bâtiment qui est à l'air libre, qui est en avancée et qui va protéger l'accès à la porte, qui reste un des points faibles, évidemment, dans la défense de la ville. Ce bâtiment est construit probablement dans les années 1400-1410, de manière assez rapide. On voit dans les constructions, on a des blocs qui sont quand même pas très bien taillés, donc c'est de la récupération des bâtiments qui étaient à cet emplacement-là précédemment. Et cet ensemble a de remarquables, en tout cas un certain nombre de fenêtres de tir qui sont encore conservées côté Paillon et qui existaient également côté future place Garibaldi et qui ont été démontées pour la mise en place des poutres du tramway. Donc c'est un élément dans la défense qui est important et que l'on connaît habituellement aussi à cette époque-là ailleurs en France, mais qui généralement n'a pas été conservé. Ici, la chance que l'on a dans cette crypte archéologique, c'est que chaque élément est construit en avancée par rapport au précédent, mais en préservant l'élément plus ancien. Quand on a réalisé la fouille, on a fait également deux sondages un peu plus profonds, donc ça correspond aux trous qui sont derrière moi, dans lesquels on a essayé de retrouver les éléments les plus anciens présents sur le site. Dans le premier, on voit une couche de couleur un peu blanc crème qui est en pente vers le Paillon. En fait, il s'agit de la décomposition du calcaire de la colline du château. Donc on est sur des éléments relativement anciens, naturels, avant probablement l'apparition de l'homme. Et quand on descend un petit peu plus loin, dans le deuxième sondage, on a les restes d'une maçonnerie, d'un mur qui remonte probablement à l'Antiquité tardive, on pense autour du 5e siècle de notre ère, qui est un élément qui n'appartient pas à la ville même de Nice, puisque la ville était probablement un petit peu plus loin, mais qui est contemporain du moment où Nice devient une cité plus importante. Durant l'Antiquité, on sait qu'on a deux cités, une Cimier qui est la cité principale, qui est une cité romaine, Nice qui est une fondation des Grecs de Marseille à l'époque, qui existe durant le Haut Empire, donc 1er, 2e, 3e siècle de notre ère, mais qui va prendre véritablement son essor qu'au 5e siècle, et on est donc à la même période dans ces moments de l'Antiquité tardive. Dans cette partie de la fouille, on a retrouvé un élément intéressant qui est postérieur en fait aux vestiges du Moyen-Âge, qui est cet aqueduc du 16e siècle, probablement des années 1560, et qui servait en fait à alimenter en eau l'intérieur de la ville dans un premier temps. Il sera prolongé à partir de 1584 jusqu'au jardin du palais du Duc, donc qui correspond au palais des Rois Sardes et la préfecture actuelle, pour alimenter en eau ces jardins. Il longe la fortification une fois qu'il rentre dans la ville, donc ça correspond à cette partie bleutée que l'on a au niveau de la porte Pérolière. Et en fait, il faut imaginer qu'il longeait tout le long du Paillon, comme ça, le reste de l'enceinte, jusque de l'autre côté, donc en revenant au niveau de la mer, au niveau du palais du Duc. Cet élément-là a été très bien conservé, on l'a recoupé par endroits pour permettre le passage, mais il faut imaginer qu'à l'époque, évidemment, il était enterré, donc on est dans une époque où l'ensemble du site archéologique est déjà recouvert, en tout cas tous les vestiges au Moyen-Âge, et on est dans l'époque des bastions modernes. On a pu retrouver dans la fouille la limite du ravelin, en tout cas la porte par laquelle on pouvait pénétrer. On voit qu'on est vraiment en retrait par rapport à la porte primitive, et l'axe de la sortie de la ville antérieurement, donc ça permettait en fait d'obliger les assaillants à faire une espèce de chicane pour pouvoir rentrer à l'intérieur du ravelin et ensuite à nouveau bifurquer et rentrer à l'intérieur de la porte. Donc là on a cet élément là, ici on est en fondation et puis le départ de l'élévation, donc on voit que les blocs sont bien taillés. On voit également le passage de l'aqueduc à cet endroit là et donc la zone de franchissement de la passerelle actuelle en tout cas recoupe les restes de l'aqueduc qui passaient en sous-œuvre sous ces éléments. À l'extérieur du ravelin, en fait, on vient construire au début du XVIe siècle un bastion. L'idée est toujours, encore une fois, de renforcer la fortification et de s'adapter à l'évolution de l'artillerie. Donc on a construit ce grand mur que l'on a ici, très bien conservé,
qui est encore présent sur 6 mètres de hauteur, donc juste qu'il a fleuré là aussi sur le boulevard Jean Jaurès quand on a commencé la fouille. Et c'est un élément, la face extérieure du bastion, d'un premier bastion construit à Nice, probablement dans les années 1520-1530. C'est très important parce que jusqu'à présent, on ne savait pas qu'il y avait de bastions aussi anciens à Nice. Et c'est vraiment la fouille archéologique qui a permis de le retrouver. On a un bastion qui est relativement archaïque dans sa forme, puisque l'on a une épaisseur de maçonnerie qui fait 4,30 m, donc on a un mur, on va dire, presque médiéval, hein, en tout cas très épais, pour pouvoir résister à l'artillerie. Et on n'a pas de remplissage de terre à l'intérieur, contrairement à ce qui se fera ensuite avec les autres bastions, où la terre finalement amortit le choc des boulets, et où on a des maçonneries qui sont moins larges. C'est important également, ce mur-là, et celui qui existait lors du siège des Français et des Ottomans en 1543 au niveau du bastion Pérolière, donc c'était l'élément de défense principal de la ville. De ce côté-là, on voit le passage de l'aqueduc à travers le mur de bastion, donc c'est le premier mur de bastion, et on voit qu'on a un certain nombre de pierres qui ont été mises en parement, qui constituaient en fait une entrée un peu principale de cet aqueduc, postérieurement à la construction du mur. Donc on est bien dans l'idée d'un aqueduc, peut-être dans les années 1560, construit à cet endroit-là. À la fin du XVIe siècle, dans les années 1570, on va agrandir le bastion. On va le mettre vraiment aux normes et surtout on va gagner de la place sur ce qu'était le bastion primitif, qui était plutôt de plan carré. Et à cette occasion-là, on va prolonger l'aqueduc. Donc on a, depuis cette sortie, cette entrée plutôt, sur le mur de bastion de l'aqueduc, on a un prolongement comme ceci, avec un élément qui est en partie conservé et qui amène ensuite à l'extérieur du deuxième bastion. Donc ça, c'est une partie importante et qu'on a retrouvée déjà assez abîmée dans l'état où elle est présentée au public. L'intérêt aussi de cette zone, entre les deux murs de bastion, c'est d'avoir préservé des éléments du faubourg médiéval. Donc les murs qui apparaissent derrière moi sont du XIIIe ou du XIVe siècle et appartiennent à des bâtiments qui étaient à l'extérieur de la ville. Il faut imaginer, dans ces villes médiévales, lorsqu'on sortait, dans des périodes un petit peu, disons, d'expansion démographique, lorsqu'on sortait des villes, on avait un certain nombre de bâtiments. Ça pouvait être des maisons, ça pouvait être éventuellement des auberges, ça pouvait être également, ici dans cette zone, on avait un couvent qui était le couvent des Augustins, que l'on n'a pas retrouvé, mais qui en tout cas était situé à l'extérieur de la ville. Et la porte Pérolière, pendant longtemps, s'est appelée la porte des Augustins. Derrière moi, immédiatement ici, c'est le mur qui longeait la voie, donc qui délimitait la voie, qui est pratiquement l'emplacement de la passerelle. Et derrière, donc ces bâtiments qui s'étageaient en direction du paillon et donc qui appartiennent à des espaces non identifiés. On n'a pas pu les attribuer ou à de l'habitat ou autre chose. En tout cas, ils appartiennent à ce faubourg médiéval rasé au moment de la construction du Ravelin, puisqu'il ne fallait pas évidemment qu'il y ait de bâtiments qui dépassent devant le Ravelin et qui sont encore une fois laissés enfouis au moment de la construction du premier bastion. La dernière zone de fouille ici est la plus large. On est en fait à l'extérieur du mur du deuxième bastion. Construit dans les années 1570, c'est celui qui a connu ensuite les sièges de Louis XIV, 1691-1705, et qui a été après démantelé sur l'ordre de Louis XIV en 1706. Ceci explique que lorsque on a commencé à fouiller, en fait, il a été très arasé et il était relativement bas. On le voit encore, la paroi a bougé, il y a des maçonneries qui manquent, donc tout ça a fait l'objet de récupération de matériaux à partir de 1706. On a démantelé progressivement toute cette fortification. On a gardé en revanche la partie qui était le long du paillon. Alors on est à l'extérieur de la fouille, hein. Il faut savoir que d'ailleurs ce mur de bastion le long du paillon sert encore de fondation à l'immeuble qui est en surface, hein, l'immeuble du Monoprix. Mais de ce côté-là, on a retrouvé malgré tout des éléments relativement bien conservés sur pratiquement toute la face qui était à l'extérieur du paillon. Devant le mur du bastion, on a construit au début du XVIIe siècle, probablement dans les années 1610, un grand fossé qui explique donc l'ampleur de cet espace pour la fouille. Je rappelle, lors de la fouille et lors de la prescription qui a été faite par le préfet de région, puisque c'est le préfet de région qui a prescrit cette fouille, il était prévu de connaître l'extension maximale de la fortification, et donc ça a délimité en fait l'emprise de la fouille. On est ici dans le fossé, on est à la limite de la fouille. Quand on a fait le diagnostic archéologique, donc la première étape de cette fouille, on avait retrouvé un petit fragment de la tour Pérolière et un élément de ce pont ici. Et c'est sur la base de ces deux éléments-là que l'État a prescrit la totalité de la fouille telle qu'elle a été faite. Alors c'est un élément extrêmement intéressant, il date du début du XVIIe siècle, au moment où on creuse le fossé, et en fait il permet de sortir du bastion, de franchir donc le fossé,
Et c'est à partir de là ensuite que démarre la route royale, donc cette fameuse route qui est justement mise en place à partir du début du XVIIe siècle. On a retrouvé en fouille également des éléments écrasés sur place qui correspondent au reste de l'arche qui a été effondrée probablement lors d'un des deux sièges de Louis XIV, sans doute le dernier, celui de 1705. La partie terminale du pont, ici, est verticale. On avait en fait un système de pont-levis qui permettait d'isoler les arches du pont, que ce soit côté extérieur ou côté de la porte, côté intérieur. Et devant, on a retrouvé un petit élément de mur qui est ce qu'on appelle le mur de contrescarpe, c'est-à-dire le mur qui délimitait le fossé. Donc on a juste le départ de ce mur, tout le reste a été récupéré, donc on n'a retrouvé aucune pierre dans la fouille. Mais en fait, on sait qu'il était bien présent sur la totalité de la fouille et que la paroi de béton qui a été construite a bien été construite à l'extérieur de ce fossé. Le fossé du XVIIe siècle aboutit en fait dans le paillon, donc on a retrouvé une partie de l'ancien lit du paillon. Il faut savoir que lorsqu'on a créé la place Garibaldi dans les années 1780, on a empiété assez largement sur le lit du fleuve. Donc en fait la fouille a permis aussi de retrouver ces éléments, donc le lit du paillon, un mur de digue également, donc qui était un élément important et qui délimitait le fossé par rapport au lit du fleuve, probablement au XVIIIe siècle, après la démolition de la fortification. Et c'est un mur que l'on voit ici arraché, c'est peut-être une des crues du paillon qui a emporté un bout du mur. Ça montre là la puissance du fleuve en face de crue. On a retrouvé à la fouille des éléments extrêmement intéressants. On observe dans l'aqueduc, donc du XVIe siècle, un trou. Alors, lorsqu'on a découvert ça, on n'a pas compris pourquoi il y avait ce trou dans l'aqueduc qui est relativement large. On s'est aperçu ensuite qu'il y avait une tranchée qui partait de cet aqueduc, dont on a laissé encore visible un petit bout, qui arrive jusqu'au contact du Ravelin. Et de là partait une autre tranchée, alors qu'il y avait deux directions, soit du côté de la future place Garibaldi, et soit de l'autre côté, en direction de la tour Pérolière. En fait, il s'agit d'une sape qui a été faite probablement par les Français lors du siège de Louis XIV, on pense au siège de 1691, et ça explique comment ils ont pu prendre le bastion de l'intérieur. Ils sont passés par l'aqueduc, il y avait une grille qui a été démontée, donc ils ont pu rentrer jusqu'ici. Ils avaient des plans, bien évidemment, donc ils ont fait une tranchée en souterrain à une époque où tout est rempli, où le niveau de sol est évidemment beaucoup plus haut, c'est le niveau actuel pratiquement. Donc on a une tranchée en souterrain, ils sont arrivés jusqu'au Ravelin qu'ils ne connaissaient pas puisqu'il n'était pas sur leur plan, il avait déjà disparu à cette époque-là. Ils sont partis d'un côté pour aller vers la face du bastion, mais ils ont retrouvé non seulement le mur du Ravelin qu'ils ont franchi assez facilement, mais surtout derrière le gros mur très épais du premier bastion qu'ils ne connaissaient pas, qui n'apparaissait pas sur les plans. Donc ils sont allés de l'autre côté, ils ont fait une autre tranchée et ils sont passés par un autre bâtiment dont on a préservé juste un petit bout qui permet de voir encore le trou qui a été fait dans le bâtiment, qui est une ancienne chapelle, la chapelle Saint-Sébastien, qui était au contact de la tour Pérolière. Et en fait, quand ils ont pris le bastion, ils sont rentrés par l'intérieur de la chapelle et les défenseurs niçois ont dû voir arriver les troupes françaises de l'intérieur sortant de la chapelle Saint-Sébastien. C'est ainsi que le bastion Pérolière a été pris lors du premier siège de Louis XIV.